Il a craqué. 2-0 pour Greg Marsh. Et pourtant, Joël Nezot qui n'a pas démérité. Hein. Il a réussi à casser le rythme un petit peu. Oui, il avait joué bien intelligemment, bien varié ses trajectoires pour que Greg justement n'anticipe pas donc tous ses coups. Donc notamment sur les balles un peu plus lobées, le long du mur, sur les ce qu'on appelle les doubles murs, c'est-à-dire les balles qui vont toucher d'abord le mur latéral avec un angle. Comment on dit ça en anglais déjà? Un bost. Ouais. Voilà, donc il avait bien réussi à le sortir de son jeu. Mais comme on parlait un peu de la folie des gauchers, mais je pense, bon, c'est les gauchers, mais même, je crois que Johan, il a des passages comme ça où il y a des très bons passages, comme on a vu lors de la remontée, mais aussi des fois, il peut malheureusement enchaîner des fois soit les mauvais choix ou des fautes un peu cadeaux. Voilà, donc ça c'est juste quoi, c'est au mental, c'est quoi, des, un petit peu de la fatigue, les deux matchs, je pense. en cinq jeux. Voilà, il y a un peu de tout. Mais c'est un axe de travail, de progression où il faut qu'il. Je pense qu'il prend en considération depuis un moment, mais c'est là aussi il peut vraiment progresser. Alors justement, vous au niveau mental, vous avez travaillé depuis le début de votre carrière, c'est ça? Vous travaillez sur quoi? Donc moi j'ai beaucoup évolué donc en autonomie, c'est-à-dire bon, j'avais mes entraîneurs qui bien sûr m'envoyaient des programmes d'entraînement, mais j'étais à La Réunion donc un petit peu isolé. Donc ça de 14 à 18 ans, donc j'ai dû vraiment un petit peu être responsable de mes entraînements, donc je me suis quand même forgé une rigueur, une discipline. Et puis derrière, c'est vrai que j'ai fait appel à un préparateur mental. Ouais. À un moment donné de ma carrière où je stagnais pour vraiment passer le cap au-dessus. Et là, c'est vrai que ça m'a donné un coup de main. Donc. C'est là que vous avez franchi ce cap, là, en 2003-2004. Exactement. Voilà. En 2003. Voilà. Vice-champion du monde. Donc ça m'a. Oui, exactement. Ouais. J'ai dû commencer le travail peut-être en 2002. Il m'a fallu vraiment un an et demi. Donc c'est très, très, très important. Ben, à un moment donné, oui. C'est, ouais. On ne peut pas faire. Enfin, je pense que c'est. Pour franchir un cap. Indissociable de la performance. Hein. Surtout. Donc, vous travaillez sur quoi alors? Sur l'affirmation, la confiance en soi, le relâchement, la respiration. D'accord. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément en apparence lorsqu'on regarde un match de squash. Hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le jeu de regard entre deux adversaires. C'est intéressant. Oui. Vous êtes fort là-dessus, non? C'est une de vos forces? Non, vous moi je suis rien transparaître. C'est vrai que je reste assez zen et calme en général, oui. Donc, allez, c'est reparti. Je m'énerve pas, donc ça énerve l'autre. Voilà. Je préfère mettre mon. Allez, 1-0 pour Greg. Mon agressivité et puis mon énergie dans la balle plutôt que envers l'arbitre ou l'adversaire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe entre les échanges alors, dans la tête? On pense plus au point d'après, enfin qui vient de se dérouler. Donc ça va effectivement, il faut prendre. La chute évacuée. Voilà, il faut prendre le temps de se recentrer en fait. C'est-à-dire peut-être pas oublier l'échange d'avant, mais de se recentrer sur la tactique. La tactique du présent, du point à venir. Ouais. Allez, 2-0 pour Grégoire Marsh devant Joël Nezot. On vient de reprendre dans ce troisième jeu. Un partout entre Joël Nezot au service face à Grégoire Marsh. Encore un. Oui. Comment on dit? Encore un nick. Encore un nick. Il s'est fait niquer notre. Franchement, je suis vraiment impressionné par la qualité de jeu des deux joueurs sur ce tournoi. Sur ce tournoi, franchement, j'ai l'impression qu'il a élevé son niveau de jeu. 3-1. Et puis là, on le voit, il a mis quand même Greg en doute, en danger. Il a su s'adapter à la tactique. Oui, je trouve qu'il a progressé sur pas mal de compartiments du jeu. Il y a toujours encore peut-être ce petit problème de finition qu'on a vu et d'erreur, mais franchement, il est vraiment sur la bonne voie.
C'est lui qui est le plus souvent maintenant au thé, hein, Johan. Donc il a bien. Ce serait intéressant de voir bien si. Joué. Ouais. Très bien joué. Ouais, bien joué, bon Grégoire. Décalé, Grégoire fois, qui a gagné tous fois. Ses matchs 3-0 hein, quand même, depuis le début du tournoi. Oui. Donc, Grégoire Marche qui a gagné contre Fabien Verseille, justement. Oui. Donc, il a pu prendre sa revanche. Exactement. Et puis, il a joué contre Benford, l'anglais. Là il aussi, l'a dégoûté il a gagné, aussi. Il a gagné en trois manches, en trois jeux. Il l'a écœuré, il est allé tout chercher. Et voilà, donc. Pris de la langue un peu Grégoire. Hein. 5-1 là pour Grégoire Marche. Quelques fautes un petit peu. Voilà, deux solutions. Soit ouais. Joanne lâche complètement et puis là, il sera vite pillé. Il a un petit coup de barre mentale. Un petit coup de barre mentale. Oui, c'était juste. Il essaie de varier de nouveau, mais voilà. Du coup. 2-5. Dès qu'il varie un peu, dès qu'il arrive à se repositionner et varier. C'est ça, tout l'enjeu maintenant. C'est d'avoir de garder cette lucidité-là, justement, pour contrôler ce jeu et varier un maximum. Très bien. Il pousse Greg. 6-2. 6-2, ouais, il est pressé d'en finir, allez, Greg. 6-2. Le plus long jeu que vous ayez fait, Thierry, c'est 50, dans votre carrière. 53 minutes. 53 minutes. Un jeu, hein. Un jeu, ouais. Et le score ? Un jeu de 53 minutes, c'était en 15 à l'époque. Donc c'était au tie-break, hein. C'était 15-14. 15-14. Ouais. Et bon, c'était face à qui ? C'était face à James Woolstrop, qui est James maintenant numéro 4 mondial, le joueur le plus grand du circuit, 1m96. Ah oui, effectivement. Ouais. Ça n'en finissait plus. Sur un court très chaud qui rebondissait, c'était une horreur. C'était dans quel cadre ? C'était lors d'un tournoi professionnel aux États-Unis, mais là-bas on joue. Les cours ne sont pas en béton, ils sont en contreplaqué. Donc ça fait que la balle ressort, ça rebondit. Voilà. D'accord. Et le match avait fait donc 2 heures pour seulement 3 jeux. Et vous aviez gagné ? J'avais gagné, mais j'étais trop content. Et je m'en souviens d'avoir une des rares fois où je suis tombé malade le soir même parce que de mal au ventre tellement j'avais épuisé quoi. Ouais, dans l'énergie. Franck marche. J'étais loin dans l'effort, dans l'endurance. 7-3. Les matchs de 2 heures, c'est très très rare. Match de 2 heures, j'imagine. 7-3 pour Greg Marche dans ce troisième jeu. Il presse encore. Il prend la balle à la volée. Il croise large. Willette, 7-3. Début à l'affaire, il n'y a rien de bon. Merci. Bon, Greg Marche, pas tendre à l'arbitrage aujourd'hui. Non.
Changement. Du coup, il s'énerve et 4-7. Il se déconcentre. Hein. Donc, ça laisse une fenêtre là pour Johan Lezo. C'est pour ça, c'est jamais trop bon de voilà, de s'énerver en fait. Je pense que ça joue plutôt des tours qu'autre chose. Hein. Ça, c'est une faute de fatigue. Hein. Il avait le buste qui est tombé de fatigue, donc 8, 4. On a vu qu'il fait la faute, il prend la plaque. Ça, c'est dur là, c'est dur. 8 à 4 pour Greg Marsh. À 4 pour Grégoire Marsh. Il a hésité là. Hein. C'est un superbe échange. Là. Il y a de tout là. Cet échange-là, de tout vraiment. Au niveau trajectoire, c'est. Une petite feinte. Et il craque. Le premier qui craque, c'est Johan Lezo. Ce qui offre. Combien 6 balles de match. 10-4. Balles de match. 6 balles de match pour Grégoire Marsh. Même passé en un. Non, il voulait finir en beauté. Ouais. 5-10, balle de match. Allez, on sait jamais. Hein. Pourquoi pas. Et voilà. Et voilà. Match remporté en 3 jeux par Grégoire Marsh face à Johan Lezo. 3 jeux à 0, tiré un coup d'analyse. Votre analyse de cette rencontre. C'est un résultat un peu logique. Hein. On a vu. Déjà, Greg, au niveau du classement, est devant. Et en termes de niveau de jeu aussi, il a fait son match. Je pense qu'il est rentré donc déterminé. Il a mis une grosse pression d'entrée de jeu, il a voulu vraiment tout de suite mettre un rythme compliqué pour son adversaire. Son adversaire qui a fait donc les deux matchs précédents 5 jeux, donc qui n'est peut-être pas complètement récupéré, donc il a bien mené sa barque. Mais il vous a bluffé quand même. C'était un super match à regarder. Johan s'est très bien défendu et ça fait plaisir à voir, quoique qu'il y a quand même une relève. En France, Greg d'abord, c'est vrai qu'il va rentrer dans le top 50. Donc, son jeu s'est vachement étoffé. Il y a du rythme, il y a de la variation. Et Johan, qui est à domicile, fait une super prestation aussi, on va dire. Hein. Donc, un tournoi qui se finit vraiment super bien. Et deux grands joueurs, j'espère. C'était un plaisir de vous avoir au commentaire, hein, tiré un coup. C'était un régal pour moi, personnellement. Merci beaucoup. Et puis, votre actu, c'est les championnats d'Europe à Varsovie au mois de mai. C'est ça. Et puis, tournoi à La Réunion, dont vous êtes originaire, bien sûr. Et puis, bien sûr, les championnats du monde à la fin de l'année, en 2011. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Et puis, peut-être à l'an prochain, avec ce tournoi qui n'arrête pas de grandir. J'espère. Voilà. C'est tout le mal que je leur souhaite, mais c'est bien parti, en tout cas. Merci beaucoup. Merci.